Maintenant, voilà André Touré, parce que la Guinée nous manipule le fait Touré. On a un nom en qui haïna, on a un qui tant que Ibn Adam a fait une outil, Krara. Très bien. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, l'association des victimes du Cambaro vous présente les aveux de André Touré. André Kouma, qui deviendra après son mariage en 1953 avec Sékou Touré, André Touré, est la fille d'un médecin militaire du service de santé colonial français, Pierre-Marie Dupontier, qui servait à Massanta au début des années 1930. Et de Kansa Kouma, une jeune fille originaire de Massanta, qui avait à l'époque juste 16 ans. André est né le 7 juin en 1934. Et comme la plupart des enfants métis de l'époque coloniale, elle porte le nom de la famille de sa mère, Kouma. Avant de retourner en France, en 1936, le docteur Dupontier arrange une union conjugale entre Kaïssa et son assistant, Thierno Nadine Ba, le Pita. C'était Chalon. De ce mariage naquit Aïssatou, dite Aspuba, qui est donc une demi-sœur d'André Touré. Aspuba, qui épousa Pitali Sangaré, ancien gouverneur de la Banque centrale, ex-ambassadeur à Bruxelles, et fonctionnaire international et fondamental international. Le docteur Dupontier, le père donc de André Touré, aura perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un fonctionnaire de Kansa, feu Ibrahim Seri Keita, épousa Kaïssa Kouma en troisième noce. Il est l'oncle de Mamadi Keita, membre du bureau politique national du PDG, et le père de Seydou Keita, qui a été ambassadeur en Europe, gouverneur de région, ministre de la jeunesse. Mamadi Keita et son cousin Seydou Keita ont tous les deux été membres du comité révolutionnaire du Cambaro, où ils se sont illustrés sur le cynisme de la communauté. Ils ont été tous les deux exécutés en juillet 1985. Kaïssa Kouma, nous avons 6 enfants à Kouma. Mon Fatoumata, qui épousera le futur ministre Moussa Dakité, Fanny, un économiste, m'a enseigné et m'enseigné 2 jumeaux qui devinrent des officiers du service de l'enseignement attaché auprès du commandant du Cambaro, Monsieur Kapoulou, et fut Saïd qui est décédé. Ce troisième mari de Kaïssa Kouma, Ibrahim Seri Keita, épousera aussi une femme originaire de l'Inde, leur fils Boubacar Keita, qui parle couramment le Boubacar Kouma, a été élevé au point de sa grand-mère maternelle dans le quartier d'Aïssar et de Mandé. La mère de Madame André Touré résidait régulièrement au palais présidentiel, en particulier les aveux ou les autres. Mais elle était très discrète, elle ne participait pas à la vie du couple et préférait se retirer fréquemment en Massanta. Elle est décédée en septembre 1997 à l'âge de 80 ans. Elle avait été transportée à Dakar où elle est décédée. Depuis la Guinée, pour subir des soins. Son corps sera rapatrié peu après à Massanta, où
dans l'ancienne ville en Syrie de Koumaya. C'est la même qu'avait occupé le président Kwame Nkrumah pendant son exil. Mais entre-temps, les biens familiaux lui sont restitués. C'est pendant que les autorités procèdent à une véritable réhabilitation de ces couturiers, à qui une retraite d'ancien chef d'État, la même année, dont la rédaction bénéficie à sa veuve. Il faut bien préciser que André Touré, à sa sortie de prison, n'a rien fait pour favoriser une véritable réconciliation nationale, basée sur la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance des crimes de guerre commis par son mari au même quart de siècle. Quand je vous parle des victimes de la Première République, la réponse d'André Touré est toujours méprisante. Elle ne répond à ceux qui se disent victimes. Comment sont-ils devenus victimes? C'est ce qu'il faut aussi demander. Telle est sa réponse. Ceux qui se disent victimes. Certains avaient pensé qu'après avoir fait 4 ans de prison et avoir été enfermé dans la cellule où son mari a enfermé ses prisonniers, on découvrait un rencontre qu'il faudrait tout faire pour sortir de la Guinée du cycle infernal de répression et de violation des droits humains fondamentaux. André Thierry en avant vous des humiliations et des privations endurées par des dizaines de milliers de détenus politiques de son mari, qui est resté impénitente et non repentante. Pour reprendre le nom de Sylvain Bouba, le fondateur de l'Ouest-Guinée, qui, parlant d'une interview de André Touré avec le journaliste Yannou Sassidibé, dans la RPG, en octobre 2019, écrivait ceci, citation. L'interview de André, veuve de Sékou Touré, sur la radio et télévision guinéenne, expose une impénitence totale et une non-repentance absolue. De bout en bout, le discours prône l'adulation du défunt président, mettant en œuvre une mémoire sélective et réductrice où les penses font l'apologie des crimes, clients, politiques, économiques, du responsable suprême de la révolution en Guinée, et Dia André émerge de l'entrevue comme l'incarnation même des idolâtres et comme le porte-parole de nostalgique d'un quart de siècle entier. À 82 ans, l'ex-première dame de la République de Guinée cherche à obtenir l'impossible, à savoir l'absolution et la disculpation du président Sékou Touré pour la débâcle politique, économique et sociale du pays. Et pour la déchéance de la population, qu'on lui parle surtout pas, qu'on ne nous parle surtout pas de justice, le mot et le concept nous sont inconnus. Aussi, jette-t-elle d'une part un regard morne et indifférent, subjectif et injuste sur le passé, et d'autre part, se fait-elle défensive et accusatrice. En parole, elle professe l'humilité, mais ces mots cachent mal une rancune tenace, de distorsion grossière et de déclaration mensongère sur la Guinée, brisée et ruinée par ce que pourrait faire de citation. Hadji André Touré a récemment publié un livre intitulé
vie auprès d'un médecin coutumé. Qu'elle dédie à son mari, à l'empereur, elle a voulu se vivre pour restaurer l'image de son défunt époux. Je devais cela à mon mari. Je voulais que la Guinée me connaisse parce qu'on a voulu me diaboliser ce qui ne devait pas du tout être. Ces déclarations d'André Kubé confirment la remarque sur la guerre à portée Kubé. À l'association des victimes du camp Goro, un de nos objectifs est d'aider le peuple de Guinée. Mais quel peuple africain, par exemple, et du monde, ainsi que la Oumma islamique, à comprendre qui était véritablement séculé à travers non pas ses paroles et ses écrits, mais ses actes, sa cruauté, son cynisme. Quant à mon mère Kubé, le fils unique de Sékou-Touré et de son épouse André, il est né en mars 1961 à Conakry. À sa sortie de l'université, mon mère Kubé est diplômé en économie et finance de la profession de médecin. Il a occupé un poste administratif au ministère des Finances. Comme l'a fait l'écrivain à la mort de son père, il fera 4 ans de prison avec sa mère. Et après sa libération, il obtiendra une bourse du président Sévani et s'installera au Texas, aux États-Unis. Il va commander à Moss avec Denise Florence Cross, la fille de Marcel Cross. Je suis le directeur de l'office d'échange de la Banque centrale de Guinée, directeur de l'OFA, l'office de l'aménagement de Boké et ministre de la coopération internationale. Right. Les deux affaires vont terminer l'image du peuple et la réputation du peuple privé. Il s'agit en premier lieu de l'affaire de la petite domestique que la famille a fait venir de son village de l'Indiana pour les aider dans les travaux domestiques. Cette fille est arrivée à l'âge de 6 ans. Et elle est restée à la maison. S'occupant de toutes sortes de travaux. Elle accompagnait les enfants à de la famille à l'école, mais elle n'était pas inscrite à l'école. Grave. Et elle a obtenu le soutien de certains voisins qui l'ont aidé à prendre conscience de nouvelles pressions qu'elle subissait. Elle était battue, humiliée. On l'a qualifié souvent d'esclave ou de chien. Une enquête est menée par le bureau fédéral du service de sécurité diplomatique et des poursuites judiciaires sont engagées contre le couple Kubé qui est arrêté en avril 2018. Devant le tribunal fédéral, la jeune femme qui est désormais âgée de 25 ans, je rappelle qu'elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Cette jeune fille raconte comment, pendant 16 ans, elle a été au service de la famille Kubé au Texas. Ménage, repassage, cuisine, garde d'enfants, des corvées quotidiennes, jamais payées. Wow. Un an après, le verdict est prononcé. En plus de la prison ferme, le couple guinéen est condamné à verser à la victime près de 300 000 dollars de dommages et intérêts. Pour la justice américaine, il s'agit d'un travail forcé, assimilé à de l'asservissement. Les Tourés ont juste oublié que le Texas, où ils se sont installés, fait partie des États du Sud des États-Unis, où le problème de l'esclavage est très sensible. Mais ce fait, les mains de Denise Prosperé ont été jugées coupables et devront faire 7 ans de prison. Ils devront être ensuite
expulsé des États-Unis, vous avez obtenu une green card, la carte de séjour. Comme le souligne un communiqué du département de la justice des États-Unis. Mais les Guinéens ne sont pas au bout de leur surprise. Car pendant le procès de Mohamed de Denis Touré, ils apprendront que le fils du premier président guinéen avait un revenu de plusieurs centaines de milliers de dollars par an en provenance d'une source étrangère, provenant de sources étrangères. La famille Touré habite dans une banlieue cossue du nord-ouest de Dallas, Texas. Ils ont acheté une villa en 1991 à 370 000 dollars. Pour la valeur actuelle, serait environ 580 000 dollars. Mohamed Touré a donc déclaré au fisc américain, comme le dit la loi, 200 000 dollars par an de revenus. En 2010 à 2016, soit 1 400 000 dollars en provenance d'outre-mer. Il faut même être Mohamed Touré ne travaille pas. Il n'a aucun emploi. Là-bas. Il n'a aucune source de revenus officiels, ni en Guinée, ni ailleurs. Où il gagne l'argent? Alors les gens se posent la question, d'où provient le million de dollars de revenus de Mohamed Touré? C'est là-bas. Mais Mohamed Touré revendique l'héritage politique de son père. Il se rend fréquemment en Conakry. Il s'était même engagé dans le combat politique sous les couleurs du PDG, du Parti démocratique de Guinée, l'ancien parti unique, qui a même apporté son soutien à Alpha Condé, le candidat du RPG. Mais l'association des victimes du Cameroun est en mesure aujourd'hui de vous livrer des informations sur l'enrichissement illicite au secret de la famille de Sékou-Touré. Des informations qui sont corroborées par les aveux des intéressés eux-mêmes. André Touré, le plus, et Mohamed Touré, le fils, vont vous surprendre. Vous étonnez pour certains que vous dérangez pour d'autres. C'est véritablement le scoop du siècle qui vient déconstruire un mythe, celui de Sékou-Touré complètement détaché des biens matériels et de l'argent, ne possédant ni compte bancaire, ni bien immobilier à l'étranger. Le curiféreur du régime de la Première République affirme haut et fort que personne n'a jamais pu produire aucun élément, aucun indice, aucune preuve de l'enrichissement illicite de Sékou-Touré et de membres de sa famille. À titre personnel, Ahmed Sékou-Touré a déclaré avoir reçu 367 millions de francs guinéens, soit à peu près 43 000 dollars, offert par le président Mao Zedong de la République populaire de Chine. Il a ordonné le transfert du montant dans le compte du trésor public. D'autre part, à la faveur d'une tournée dans les années 70 dans le pays du Golfe, une délégation guinéenne conduite par le premier ministre, Dr. Lansana Bérou, a récolté des millions de dollars, mais a reçu aussi de l'aide du roi d'Arabie Saoudite, Faisal, un don personnel sous forme de chèque offert au président Ahmed Sékou-Touré. Le jour du compte-rendu public de retombée de cette mission de levée de fonds au palais du peuple est retransmis en direct par la radio-diffusion nationale, le président Ahmed Sékou-Touré a ordonné que les millions de dollars collectés, ainsi que ces 10 millions de dollars offerts
dans le monde saoudien, 10 millions de dollars, ça fait aujourd'hui l'équivalent de 81 millions de dollars. Il a donc ordonné que tout ça fait soit intégralement versé dans les comptes du trésor public. Le retour du ministère en Arabie Saoudite, l'ancien éditorialiste de la Voix de la Révolution, fait Omar Djabaté, est reçu au palais présidentiel par le président Omar Sékou Touré, auquel il présente deux chèques émis au bon moment par le commandeur de Moussaï. Séance tenante, le président Omar Sékou Touré fait venir le gouverneur de la Banque centrale au palais. Il lui remet les deux chèques. Systématiquement, le montant que lui offrait les fortunés de l'époque était transféré à l'État guinéen. L'homme du temps était totalement désintéressé de la puissance personnelle du pouvoir. Il n'a pas permis de tout à sa famille de s'aboter de rien, lui, et se servir des ressources du pays. C'était pas vrai. Quelle est donc la version officielle? Quel est le récit officiel? Quelle est l'image qu'on a toujours voulu donner au président Sékou Touré? Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, l'association des victimes du Kangaroo va vous éclairer sur la réalité des faits. Nous avons preuve à l'appui de montrer qui est Sékou Touré, qui dit une chose et fait autre chose, qui a donné publiquement l'ordre de déposer les fonds mobilisés dans les pays arabes et le chèque de 10 millions de dollars, l'équivalent de 81 millions de dollars aujourd'hui, que lui a donné le roi Faisal Barabi dans les comptes du trésor public. Mais secrètement, il ordonne le virement de tout cet argent à la Banque of America au nom et au bénéfice exclusif de son épouse André Touré et de son fils Mohamed. Chantons d'abord les personnages. Retraçons-nous dans le contexte et l'environnement de l'époque. Nous sommes au mois de décembre 1984, 9 mois après la mort du président Sékou Touré, la prise de pouvoir par l'armée, l'arrestation des dignitaires du régime et de certains membres de la famille du défunt président, dont son épouse, André Touré et son fils, Mohamed. Le CNRN, le Comité militaire de redressement national, a mis en place une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur la gestion du régime défunt et de situer la responsabilité. La commission est présidée par le commandant Ousmane Sow, qui est le secrétaire d'État à la Défense, et le colonel Diarra Traoré a tenté de renverser le régime de l'ancien comté et du CNRN. C'est lui, Ousmane Sow, qui a organisé et dirigé la riposte rapide et efficace contre les Moutons, sauvant ainsi le régime du 3 avril et empêchant le retour de nostalgique de l'ère Sékou Touréenne du sinistre général. Utilisez bien la première question que le commandant Sow, Ousmane Sow, président de la commission d'enquête, pose à André Touré est la suivante. Je le cite. Sur la base des documents qui sont en votre possession, vous avez, madame, un compte ouvert en votre nom et celui de votre fils Mohamed à la Banque of America. Et ce compte révèle un solde de 14 millions de dollars américains. Excusez-moi. Une précision importante de la commission d'enquête, il s'agit bien d'une opération officielle de banque à banque. Pour être clair, les fonds ont été transférés à partir d'une banque guinéenne à destination de la Banque d'Amérique. La commission ajoute une autre précision, une précision de taille,
nom sur le diable du bélier, au nom de Animal Touré et de Mohamed Touré. Et leur adresse, leur boîte postale en Massanta, a été inscrite sur les documents bancaires. Pour les auditeurs, sachez que 14 millions de dollars des années 1970 équivalent à peu près à 114 millions de dollars aujourd'hui. La deuxième question posée à André Touré concerne des actions qu'elle a reçues lorsqu'elle se trouvait au Libéria en 1965. Et ces actions lui ont été données par une société travaillant dans la production de l'autoferro. André Touré a reconnu l'existence de ces actions qu'elle a reçues lorsqu'elle se trouvait à Méridien en 1965, répondant à une invitation de Madame Toublan, la première dame du Libéria. La troisième question posée à André Touré concerne un domaine à Rambouillet. Rambouillet, c'est une sous-préfecture des Yvelines, département de l'Île-de-France, dans la banlieue parisienne. Une propriété, et le président de la commission d'enquête dit que les photos du domaine et les documents faisant foi sont dans les mains de la commission. Combien de dinars sur le territoire ont été exécutés sous le régime de Sékou-Touré, ont été faussement accusés, donc des agents de la CIA, le service secret iranien, et de toucher des sommes imaginaires. Nous aimerions rappeler que lorsqu'il a pris le pouvoir, le CMR, le comité militaire de redressement national, a trouvé sur le bureau du président Sékou-Touré une liste de 17 ministres qui disposaient de comptes en banque à l'étranger. Sékou-Touré a juste volontairement omis d'ajouter les noms de son épouse et de son fils sur cette liste. Quant à Mohamed Touré, il a reconnu que son père, le président Sékou-Touré, lui a fait signer un document bancaire. J'ai signé, dit-il. Mon père m'a fait signer. Ce sont les spécimens de signature qui permettent à l'épouse et au fils de se présenter à la banque d'Américain et d'être reconnu comme bénéficiaire du compte. La commission a également posé des questions à l'ANEM sur les effets qui se trouvaient au bureau de son père, qui ont été déposés chez lui et chez sa mère dans la ville de Colère. En fait, la commission d'enquête a demandé à Mohamed s'il savait pourquoi il se trouvait en prison. Il a répondu, ah, parce que je suis le fils du défunt président. Non, lui répond le commandant Ousmane Sonko. Vous pouvez prendre votre père de sanguinaire, car il a tué beaucoup de gens. Sa propre compagnie l'accuse d'être à l'origine de tous les maux dont le pays a souffert. C'est pourquoi le CNRM a décidé de vous mettre en sécurité. Pendant ce temps, nous essayons de Ousmane Sonko d'apaiser la population en lui disant que les responsabilités de chacun seront situés. Mais Mohamed Touré est droit dans ses bottes. Il reconnaît que le régime de son père a commis des fautes et des erreurs dans la gestion de la nation. Il ne parle pas de crime, il dit que des erreurs. Il reconnaît aussi qu'il y a eu des morts, mais que c'était des opposants au régime qui ont perdu la vie dans des conditions qui demeurent. Et c'est pas parce qu'on est représentant qu'on doit être exécuté. Mohamed Touré va plus loin. Il dit, je suis le fils du père. Il croit le connaître. Je sais que c'était un homme d'un humanisme extrêmement profond. Sans hésitation. Et pour convaincre la commission,
de l'humanisme profond de son père, moi-même donne deux exemples. Premier exemple, dans la cour du palais de la présidence, dit-il, j'ai une fois utilisé une carabine réel contrôlé pour tirer sur des pigeons. Et le dernier jour, il m'a sérieusement sermonné pour avoir tué les pigeons. Deuxième exemple, un autre jour, un oiseau blessé est entré au palais de la présidence. Le président a appelé son garde du corps, Taraban, pour lui confier l'oiseau. Il lui demandait de le soigner ou de le nourrir, avant de le libérer quand il sera rétabli. L'association des victimes du Pont d'Arrée va démontrer à mon maître qui ne connaît que superficiellement ce père qui a pitié des oiseaux, mais qui n'a pas pitié des êtres humains. Mohamed, son père Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée, est directement responsable de la mort et de la disparition de dizaines de milliers de Guinéens d'étrangers. Sékou Touré est à l'origine de la criminalisation de la politique en Guinée. C'est lui qui, durant la période coloniale et après l'indépendance, a introduit la violence politique, l'assassinat individuel ou collectif, le viol et la destruction des maisons des adversaires politiques par les milices organisées comme méthode de conquête et de conservation du pouvoir. Sékou Touré est l'inventeur de la diète noire ou la mort au compte public, consistant à priver les gens d'eau et de nourriture pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que nous fassions. Sékou Touré a personnellement ordonné la mise à mort de ses compagnons de but en utilisant cette méthode cruelle, inhumaine et unique dans l'histoire de la dictature et des tyrannies du monde. Sékou Touré a fait torturer des gens qui furent ligotés et précipités dans la cour à partir de l'hélicoptère présidentiel. Karim Bangou a fait enterrer des gens vivants en trois jours à Conakry. Il a fait prendre des gens de Guinée dans toutes les régions du pays. C'était le 25 janvier 1971 qui a connu la pendaison publique de 90 personnes avec obligation pour la population, y compris les élèves de tout âge, de se rendre sur les lieux où les gibets ont été dressés. Le garde du corps dont tu parles et qui fut chargé de soigner le pigeon blessé quand la bandit a égorgé des femmes le 27 août 1977. Lorsque ces dernières qui marchaient sur le palais de la présidence se sont soulevées contre la police économique et la mauvaise gouvernance de Sékou Touré. Calabon a fait partie de plusieurs pelotons d'exécution. Sékou Touré a fait arrêter 17 de ses ministres sur 24. Et parmi les ministres, ambassadeurs, gouverneurs, chefs de service ou simples fonctionnaires arrêtés et incarcérés au Cameroun, trop peu en sortiront vivants. En écoutant les aveux d'André Touré et de son fils, Mohamed, vous saurez que ceux qui disent que Sékou Touré n'était pas intéressé par l'argent et les biens matériels, et que ni lui, ni aucun membre de sa famille ne possédait des comptes en banque ou de domaines à l'étranger, cela a été tenu à mourir. C'est un grand manipulateur qui fut Sékou Touré. C'est lui-même, Sékou Touré, et personne d'autre qui a ordonné le transfert de cette importante somme d'argent et ouvert un compte au bénéfice exclusif de deux membres de sa famille. Il a appelé Mohamed pour lui dire d'apposer sa signature personnelle sur le document qui a été envoyé à la banque américaine. Vous noterez, en passant, que sa fille aînée, Aminata, ne fait pas partie des bénéficiaires
dans une opération. Wow. Qu'est-ce qu'on dit? On a toujours présenté ce populaire comme un homme qui n'était pas porté dans l'argent et le bien matériel. On oublie qu'il ne possédait rien quand il est mort. C'est lui qui vient d'être déconçu. La vérité éclate au grand jour. Oui. Mais écoutez plutôt, je vais trouver son fils Mohamed face au commandant Ousmane le président de la commission d'enquête du comité militaire de l'Assemblée nationale. Je vous souhaite une bonne écoute. Très bien. Au nom commentaire, il y a un parce que faut des enfants, il y a un femme. Asa autre nous wa ma kobri roma ha inu kobri ma obara na suivi obara écouter wona na etiki ina na ligne na ma o fama na ma après fodi on va andré tu roura ma parce que to wo andré na roura ma ma tina on fama mon maître roura na bere tina bora on fama amina ta tu roura wuro c'est à dire ara fira la gine keba wona na ku kam fo to re wo fala ye be ga lu mo ba taga yule ma. On va le voir boire le canal, le fou, par la complicité de nos parents même. On va André Roudama. Quand vous avez fait ça, vous avez le nom de l'autre. La commission de l'autre, vous avez le nom de l'autre. Cette commission de l'autre, c'est un ami. Je ne pense pas que vous avez le nom de l'autre. Je ne pense pas que vous avez le nom de l'autre. Première question, nous avons posé la question à la conférence américaine. Une charge de 14 millions de dollars US. Et la charge de 20 millions de dollars. Quand vous voulez agir en ce sujet. Et vous voulez bien faire des choses, vous voulez une
Je
Samba parce que Fenaiki Wenga Mara la Guinée Folor Bene na Wulena na Wonfai na System Kerena Nana Anaïg Nadina Ira Atalana Wontorofi Mbala Group Rifala déjà Wonfa Mama mais Wokeresa la Guinée Kerame Wona Mamadi Ramatodi Fenana Nandangi Mamadi Tana c'est pourquoi moi combat une Rio Beke Mara. Vous voulez parler de tout, c'est bon, mais c'est pas là où s'est commencé le problème de la Guinée. Mais Nimara, elle, cette dernière femme, cette dame est là, elle est vivante. Elle donne des instructions aux jeunes de continuer à préserver leur système ou quoi. Problème pour l'homme, Anana, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Fena. Yandi wo kere sambe wa ekute mena hanyo apana foda ba sofa Thank you.
Thank you.
Voilà, parce que le problème n'a rien à voir avec le dendrote n'a le rage. Et nous aurons dit que nous avons remarqué. Quel fait lance la contenance à Faye Borima après ce coup de est-ce que vous avez fait des tours dans ma salle, dans ma salle? Amouna. Guy Guinédi. Ha âge n'a d'un rêve. Oubara. Fait brille la main. Ça ou tourera farambi. Attends, ma wali la manasse parce qu'à quoi on fait dans les tirangers. Une fois. Mouramounemou, la gine kabira kolon. Et tout l'ansana konte mawari. Qui était Hadja André Touré? Alors, patron même nara, d'amenine. Et c'était la plus méchante. Oui, oui, parce que c'est une française. Dans le cas, nous avons fait qu'une française est là à prendre notre ressource. Ou quoi? À Rani, à sa salle, fou. Même Mamadi Mat a bénéficié moi. Au lieu d'imbécile ça en Guinée, non, et ils préfèrent envoyer notre économie ailleurs. La Guinée a été toujours comme ça. Au moment